J'ai demandé pourquoi les gens sont forcés de vivre ainsi, et pourquoi il y en a qui sont riches et d'autres pauvres, et pourquoi il y a tant de guerres. Pour trouver les réponses à ces questions, il va falloir remonter bien loin dans le temps, jusqu'au Moyen Âge. Allons voir comment les gens vivaient à cette époque-là. Au XVe siècle, l'Europe ressemblait à peu près à ça. Partout, des petits pays séparés par de vastes forêts. Et les gens ne savaient rien des autres pays, car ils avaient peur d'aller dans les forêts à cause des bêtes sauvages et des mauvais esprits. La vie a l'air tranquille et facile ici, mais ce n'est pas si sûr. Prenons le temps d'y regarder par deux fois. Ici, tout est relié à la terre et à ceux qui la travaillent. Les enfants ne vont pas à l'école parce qu'il n'y a pas d'école. Personne ne lit le journal parce qu'il n'y a pas de journaux. Et personne ne travaille à l'usine parce qu'il n'y a pas encore d'usine. Il n'y a que la terre et les paysans qui travaillent dans les champs. Et les artisans au village qui font des charrues, des outils, bâtissent des maisons. Et puis, bien sûr, il y a le seigneur qui vit dans son château. Et le prêtre qui prêche dans l'église. Les paysans et les artisans doivent tout faire. La nourriture, les vêtements, tout ce qui est nécessaire pour vivre. Ils mangent, ils boivent, ils s'habillent et vivent mieux que tous les autres des alentours. Comment est-ce possible? C'est facile, le seigneur et le curé sont propriétaires de toute la terre. Et ils s'enrichissent parce que les paysans et les artisans, qui n'ont pas de terre, eux, sont obligés de payer des impôts et à l'église et au seigneur pour pouvoir vivre et travailler là. Ils ne paient pas en argent, mais avec ce qu'ils ont. Du blé, du lait, des chaussures, des armures, tout ce qu'ils ont. Et il n'y en a pas beaucoup qui osent se révolter. Oh, quel diable emporte tout ça? Ça ne peut plus continuer ainsi. Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que j'entends? Remets ce sac sur ton dos. Oh, oh, aïe, 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 oh, aïe, 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 oh. Je vais te donner une leçon que tu n'oublieras pas de sitôt, paysan. Qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire, hein? Grouille! Grouille! Il y a des impôts à payer. Plus vite que ça. Dépêche-toi, plus vite, plus vite. Mais Jean, est-ce que mes yeux me trompent? Tu ne veux plus travailler, mon fils? Ne sais-tu pas que Dieu a mis l'homme sur la terre pour qu'il gagne son pain à la sueur de son front? Si tu ne travailles pas, mon fils, tu vas aller tout droit en enfer. Et là,
tu vas souffrir et tu seras torturé dans les flammes pour toute l'éternité. Allons, mon fils, écoute la volonté de Dieu et fais ton devoir. Il est bien évident que cette société est divisée en classes. D'un côté, il y a les paysans et les artisans qui ne possèdent pas de terre, et de l'autre, le seigneur et le curé à qui tout appartient. Crois-tu qu'il est normal que ceux qui n'ont pas de terre paient des impôts à ceux qui en sont les propriétaires? Suppose, ça a toujours été comme ça, non? Oh, entre nous, hein, nous n'avons peut-être rien, mais nous pourrions drôlement nous passer d'eux, même si toute la terre leur appartenait. Mais eux, qu'est-ce qu'ils feraient sans nous, hein? Mon propre grand-père, c'était un rebelle. L'année avait été très mauvaise. Et nous n'avions plus rien à manger. Et il disait à tout le monde dans le village que nous devrions arrêter de payer des impôts. Eh oui, et où ça nous amenait? Les soldats du Seigneur l'ont pendu haut et court. Et le prêtre a dit qu'il irait en enfer. Mais naturellement qu'il faut qu'il nous paie des impôts. Ce sont nos terres, il ne s'imagine tout de même pas y rester comme ça sans rien nous donner entre nous, sale paysan. Cette terre a appartenu à mon propre père, à mon grand-père, à mon arrière-grand-père, à la grand-mère de mon arrière-grand-père. C'est la volonté de Dieu qu'il y ait des riches et qu'il y ait des pauvres. Car à celui qui est riche, il sera donné plus. Et à celui qui est pauvre, il sera pris même ce qu'il a. Et si Dieu ordonne aux pauvres de nous payer des impôts, qu'il en soit fait selon sa volonté. Au marché et votre cher. Halt! Qu'est-ce que tu viens faire ici? Doucement, doucement. Je suis ici pour faire des affaires avec ton maître. Et je viens d'une cité nommée Venise. Très, très, très loin d'ici. Tu vois? Je suis un marchand et j'apporte des choses très rares et très belles pour le plaisir de ton seigneur. Oh, marchand! Venise, hein? C'est bon, entre! Et maintenant, regardez bien ce que j'ai à vous offrir. Des vraies merveilles. Vous voyez, ceci, on appelle ça du poivre. Et c'est très bon pour enlever le mauvais goût du porc de l'année passée. Et ce n'est pas tout. Jetez-moi un coup d'œil là-dessus. Magnifique! On peut voir à travers. Attention, s'il vous plaît, attention, c'est très fragile, c'est du verre. Ou qu'est-ce qu'on pourrait lui donner en échange? Eh bien, nous avons des œufs, du beurre, du miel. Ou peut-être que vous aimeriez mieux quelques-unes des belles choses que nos artisans font au village. Et des épées, peut-être. Ou des tissus en laine, ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Ah, du tissu comme ça, c'est exactement ce qu'ils veulent à Venise. Quel bon marché pour moi. Si, va bien. Alors, disons que je vais prendre 10 rouleaux de ce tissu. C'est très cher, c'est très cher. Mais bon, d'accord. Mais c'est vraiment plutôt cher. Cher? 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 Où pensez-vous que vous allez pouvoir trouver des beaux produits comme ça par ici? Oui, très bien. Alors, voilà votre tissu. Et nous, nous gardons le verre. Regardez-moi ça. Ce gros lard qui paie ses produits de fantaisie qui viennent de Venise avec les tissus qu'il a pris aux gens du village. Et maintenant, fêtons, amusons-nous. Stupides. Quels idiots.
Ils ne pensent qu'à boire et à manger. Ils gaspillent toute leur richesse. Ils ne comprennent rien aux affaires. Ils ne sont pas fins comme moi. Essayons d'en savoir plus long à propos de ce marchand. Personne ne peut passer ici sans payer un droit de passage au seigneur. C'est la loi. Faut payer. Hein, quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le marchand peut paraître un peu déplacé ici. Il ne possède pas de terre et il ne travaille pas dans les champs et il ne fabrique rien non plus de ce que font les artisans. Tout ce qu'il fait, le marchand, c'est d'acheter et de vendre. Alors, qu'est-ce que c'est son truc? Je suis marchand de Venise. Une crapule, ça se voit bien. Je sais faire des affaires. J'achète bon marché et je revends cher. Pour un sou, j'achète du poivre et je le revends à 5 sous. Ça fait 4 sous dans ma poche. Et devinez qui le paye. Quand on a trouvé le système, c'est l'argent qui coule à flot. Un peu d'astuce, un peu d'argent. Et à moi la belle vie. Venise, une ville au sud de l'Europe, le plus important centre de commerce entre l'Est et l'Ouest. Quand le marchand y revint, il échangea ses rouleaux de tissu contre de l'argent. Cet argent, il l'appelait son capital et il s'en servait pour gagner toujours plus d'argent. Voici comment ça fonctionnait. Avec son capital, il achetait des produits exotiques des marchands arabes. Des épices, de la soie, des choses très rares qui venaient des Indes, de l'Afrique, de l'Arabie, de la Chine. Ensuite, il voyageait à travers l'Europe de ville en ville, vendant ou échangeant ses marchandises au seigneur qui était prêt à lui donner à peu près n'importe quoi pour obtenir ses produits de luxe. Ainsi, quand il revenait à Venise avec les biens qu'il avait acquis des seigneurs, il était encore plus riche qu'avant. Ce qui signifie qu'il avait encore plus de capital pour acheter toujours plus de produits. Et cela continuait ainsi. Le marchand achetant et vendant toujours plus. Et son capital augmentait, augmentait, augmentait. Eh oui, c'est moi. Je suis un capitaliste. Les capitalistes de Venise continuèrent donc à faire de plus en plus de profits. Mais pour se protéger, ils interdirent à quiconque d'autre qu'eux de faire du commerce avec les marchands arabes. Toi, le Portugais disparaît. C'est nous qui faisons le commerce avec les Arabes, pas vous. Mais ne pouvons-nous acheter juste quelques petites choses des Arabes? Qu'est-ce que ça peut bien vous faire, hein? Non, vous n'avez pas le droit. Il doit bien y avoir un moyen de se procurer toutes ces belles marchandises exotiques. Tu ne crois pas? Oh, j'ai une idée! Nous allons trouver la route par mer jusqu'aux Indes et en Chine et faire des affaires directement avec ces gens-là, sans nous occuper de Venise. Tu es fou! Jamais personne n'a fait cela! Ce serait un voyage beaucoup trop dangereux. Aucune importance, le problème n'est pas là. Il est de trouver par qui nous pouvons faire payer ce voyage. Payer? Ah, ça n'est pas un problème. Je le sais bien, moi, qui peut payer pour un tel voyage. Je le sais, je le sais, je le sais. Le lendemain, à la cour du roi Manuel le Fortuné. Votre illustre majesté,
Si votre grandeur voulait bien nous donner assez d'argent pour deux bateaux et un peu d'or et quelque chose à échanger, nous pourrions apporter des richesses dont votre majesté n'a même jamais rêvé. De l'or, des bateaux, eh bien... Cela pourrait être une aventure profitable, oui. Vous avez besoin de combien? Oh, regardez-moi tout cet or, regardez. Pris aux paysans et aux artisans. Car le roi, voyez-vous, possède lui aussi des terres. Qui est le capitaine? Vasco? C'est Vasco de Gama. On dit que tous les membres de l'équipage sont des prisonniers libérés exprès pour ce voyage. Oh, bien facile de les libérer quand on sait qu'ils ne reviendront jamais. Voyage, mais qui ne voudrait l'entreprendre pour pouvoir raconter ce qui arriva à Vasco de Gama. Semaine après semaine, mois après mois, la mer, rien que la mer. Oh, et terre en vue! Enfin! Enfin! Après 4 mois de navigation, nous apercevons la Terre. Nous sommes près de la côte sud de l'Afrique. Là-bas. Est-ce qu'on peut avoir de l'eau douce? Et par la même occasion, jetez donc un petit coup d'œil sur ces belles choses que nous avons à bord. Et diriez-vous d'un petit échange, hein? Nous voudrions bien, mais qu'est-ce que nous pouvons vous offrir en retour? Eh bien, qu'est-ce que vous avez qui soit aussi bon que ça? Je ne sais pas. Nous avons ces bracelets en ivoire que nous fabriquons. Est-ce qu'ils pourraient vous servir? Ouais, oh ouais, ils ne sont pas mal, j'imagine. Donnez-nous un chargement de ces bracelets d'ivoire et nous allons vous donner une paire de chapeaux rouges avec des clochettes. Regardez bien les objets que Vasco obtient en échange. Pour fabriquer ces bracelets d'ivoire, il a fallu 10 fois plus de temps que pour faire les chapeaux. Hé, qui êtes-vous et comment vivez-vous? Nous sommes des chasseurs. Nous vivons en petits groupes et nous nous déplaçons d'un endroit à l'autre. Thank you.
Jetons l'ancre. Des gens hospitaliers et gentils habitent ici. Nous appellerons cet endroit la terre des hommes bons. Hé, vous êtes chasseurs aussi? Nous sommes des paysans, mais autrefois nous étions des chasseurs. Mais nous ne pouvions pas tuer assez de gibier pour nous nourrir tous. Alors nous avons commencé à cultiver la terre et à élever des animaux. Et maintenant, il y a de la nourriture pour tout le monde. Chef habite dans la grande maison là-bas. Il possède beaucoup plus d'animaux que nous. Et nous lui aidons à s'en occuper. Les classes apparaissent avec la culture de la terre. Ici et chez nous, c'est bien pareil. Passons plusieurs riches ports de commerce dont nous n'avions jamais entendu parler. Sofala, Kéliman, Kilwa. Et tous ces ports sont remplis de navires et les maisons sont toutes construites en pierre. Cette ville ressemble tout à fait à une ville européenne. Ici aussi, il y a des riches et des pauvres. Hé, toi! Qui es-tu? Je suis un esclave, comme ma mère. C'est le prince. C'est lui qui nous commande. Il vit des taxes qu'il perçoit de tout le monde. Et puis, il y a les marchands. Ils vendent les biens que fabriquent les artisans et des produits que les paysans apportent de la campagne. Et il y a nous, les esclaves. Bien sûr, nous pouvons acheter notre liberté, mais où pourrions-nous trouver l'argent? Dans cette ville, les gens sont divisés en plusieurs classes différentes. On peut acheter au marché. Où vos marchands les prennent-ils? Bien, les marchands ici, ils achètent toutes ces choses des commerçants qui viennent de très loin, de la Chine à l'est et à l'ouest, des grands royaumes de Bénin et Mali et Congo et Momomotapa. Ils achètent et vendent des tissus, des épices, des parfums, de l'or, de la porcelaine, de l'ivoire, toutes sortes d'objets très beaux. Exactement ce que cherchent les Portugais. Mais il y a un petit problème. Vasco n'a que des choses sans valeur à offrir en échange. Excusez-moi, ça vous intéresserait de faire un peu de commerce? Regardez ces magnifiques chapeaux que j'ai apportés d'Europe. Superbe, non? Tu ne t'imagines tout de même pas que je vais te donner quoi que ce soit en échange de ces babioles? Idiot. Non. Pardon? Qu'est-ce que vous dites? Tu ne vois pas que mes choses valent infiniment plus que les tiennes? Ne sais-tu pas que nos navires sont plus gros et plus rapides que les vôtres?
Oui, peut-être, mais ces jolis chapeaux rouges et ces perles de verre... Non, non, non et non. Tu peux tenter ta chance avec les chameaux, peut-être qu'ils en voudront. Mais finalement, Vasco trouve un guide et met les voiles du côté des Indes. Nous approchons de la terre, du poivre et des épices. Hommage, votre grandeur. Nous voudrions acheter des épices. Nous vous avons apporté du miel et de l'ambre et ces jolis chapeaux avec des clochettes. Oh, vous voulez rire. Ce sont les choses les plus laides que j'ai jamais vues. Mais j'aime bien ces chemises que vous portez. Combien me les vendez-vous? Nos chemises? Oui, mais... ce miel et cette ambre... Nous avons déjà tout le miel et l'ambre qu'il nous faut. Mais les chapeaux... Aux déchets. À la fin, quand même, les Portugais réussissent à mettre la main sur un peu d'épices et de poivre. Nous hissons les voiles, nous rentrons chez nous. Vasco pour réussir un tel voyage. Ouais, mais qu'est-ce qui est arrivé au reste des hommes? Oh, mon cher Vasco, je suis content de te revoir. Trouver la route des Indes, c'est tout un exploit. Et tu te rends compte, à lui seul, ce voyage a rapporté 60 fois plus qu'il n'a coûté. Voilà ce que j'appelle du bon travail et des bonnes affaires. Oui, oui, ça a été très profitable cette fois-ci, mais je ne pense pas que nous puissions recommencer. Nos marchandises ne les intéressent pas. Ils ont déjà 1000 fois mieux. Aucun problème. Il doit bien y avoir un autre moyen de les intéresser. Et voilà. Une fois encore, des bateaux portugais apparaissent au large des côtes de l'Afrique. Mais cette fois-ci, ils sont lourdement chargés de canons, de fusils et de soldats. Ils jettent l'ancre devant les riches ports de commerce. Et les soldats débarquent. Et tous ceux qu'ils trouvent dans les rues, ils les tuent. Et ils pillent les villes de toutes leurs richesses. Les habitants s'enfuient pour sauver leur vie. Et les bateaux portugais s'emplissent d'or, d'ivoire et d'étoffe. Et quand il ne reste plus rien à prendre, les Portugais mettent le feu aux villes et bombardent tout ce qui tient encore debout. Bientôt, les riches ports de commerce qui se dressaient fièrement sur les côtes africaines ne sont plus que ruines et décombres. C'est ainsi que les Portugais prennent rapidement le contrôle de tout le commerce sur l'océan Indien. Les marchands de l'islam sont vaincus. Leurs vaisseaux détruits et toutes leurs richesses volées. Finalement, les Portugais ont conquis le monopole du commerce avec l'Afrique, la Chine, l'Inde et les Indes occidentales. La prospérité règne à nouveau en Europe. En Amérique, c'est la même chose qui se produit. Des soldats, des canons, des fusils. Des milliers d'individus sont tués. Les Portugais et les Espagnols font la conquête des vastes régions de l'Amérique du Sud et détruisent les civilisations Inca, Maya, Aztèque. Ils prennent les terres des Indiens. Ils volent leur or. Les Indiens ne peuvent pas tenir tête aux fusils et aux chevaux des Européens.
Ils sont réduits en esclavage et obligés de travailler dans les mines d'or et d'argent et dans les plantations de tabac. Toute la journée, les Indiens sont forcés de travailler pour leur nouveau maître. Ceux qui ne peuvent travailler assez dur sont fouettés et battus. Beaucoup meurent d'épuisement et de faim. Les richesses que les Indiens ont produites sont chargées sur les bateaux et dirigées vers l'Europe, où elles sont vendues. La prospérité s'installe en Europe. Richesses déferlent sur toute l'Europe et des aventuriers partent sur les routes pour les vendre. Halt! Vous êtes sur les terres du comte Saint-Afrique. Vous dépayez le droit de passage. Pas mal du tout. Nous allons prendre ça, ça va suffire. Oh, mais... Pas de mais! Déguerpis, ou tu y laisses ta tête! Regardez, du poivre de première qualité. 3 louis pour ce petit sac. Arrêtez! Si vous vendez quelque chose sur les terres du comte Saint-Afrique, il faut qu'on vous lui paye une taxe d'un louis. Que le diable l'emporte. Ces pièces n'ont aucune valeur ici. Il faut que vous utilisiez des pièces portant l'effigie du comte Saint-Afrique. Vous pouvez échanger les vôtres par là. Mais il y a 2 fois plus d'or dans mes pièces à moi. Si tu attaches de la valeur à ta peau, ferme-la! Dans toute l'Europe, je n'ai jamais rencontré des brutes aussi stupides. Enfin, les affaires ont quand même été bonnes aujourd'hui. J'ai dû me faire une petite fortune. S'il n'y avait pas ces maudites taxes et ces damnés soldats, ils m'empoisonnent la vie. Pour traverser le pont du comte Saint-Afrique. Ah, non, ça va faire. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est ce misérable marchand qui refuse de payer votre droit de passage. Eh bien, vous voulez désobéir à mes lois, hein? Connaissez-vous le châtiment qui vous attend? Nous allons vous crever les yeux, vous couper les oreilles, vous arracher les ongles. Vous coupez le cou. Pitié, pitié, je vais payer. Pauvre misérable! Bien, si tu te repens, je veux bien te pardonner. Paye l'amende et va-t'en. Misère. Avec lui, je viens de perdre le profit de plusieurs jours. Mais il ne l'emportera pas en paradis. Il ne perd rien pour attendre. Donc, les marchands deviennent furieux. Ils doivent en finir avec ce vol au grand jour. Partout, en Angleterre, en France, au Danemark, en Hollande, c'est toujours la même histoire. Alors, dans toute l'Europe, les marchands se rassemblent et mijotent de sombres complots contre les seigneurs. Maintenant, c'est eux ou nous. On ne peut plus faire la moindre petite affaire sans qu'ils s'amènent et nous ruinent avec leurs maudites taxes.
Ils sont en train de détruire nos commerces avec leurs taxes. Si le commerce n'est pas libre, notre capital ne peut pas survivre. Les seigneurs doivent être écrasés. Oh, mais comment pouvons-nous leur enlever leurs privilèges? Ils s'enrichissent à même les impôts qu'ils font payer aux gens. J'y suis. J'y suis. Donc, comme on le voit, dans ces temps difficiles, les marchands ont drôlement besoin de se trouver des secours puissants. Et cette aide va venir du côté où personne ne l'attendait. Le seigneur qui va en finir avec tous les seigneurs. Votre Majesté, vous souhaitez être riche et puissant et être le maître de tout, n'est-ce pas? Eh oui, mais les seigneurs ne m'obéissent pas du tout. Ils se conduisent comme des petits rois. Nous avons la même opinion que votre Majesté. Vous seul devez décider dans ce pays. Les impôts et les lois ne peuvent venir que de vous seul. Évidemment. Je voudrais bien qu'il en soit ainsi, mais les seigneurs, ils se battront jusqu'à la mort pour conserver leurs privilèges. Et pour les vaincre tous, il me faudrait des armes, et pour avoir des armes, il me faudrait plus d'argent que je n'en ai. Aucun problème de ce côté-là, votre Majesté. Nous sommes experts dans l'art de trouver l'argent. Nous allons vous arranger ça pour en finir avec les petits seigneurs à tout jamais. À condition que vous nous aidiez un peu en retour. Quand les seigneurs comprirent ce que le roi et les marchands étaient en train de préparer, ils sentirent le sol se dérober sous leurs pieds. Personne ne peut me déposséder des biens que mes ancêtres ont défendus. Pas même le roi, ce maudit traître. Et les marchands et les seigneurs étaient donc furieux. Ils étaient prêts à se battre jusqu'au bout. C'est le début du combat entre deux classes. Cette lutte entre la classe des seigneurs et celle des marchands dépendent plusieurs des guerres qui ont ravagé l'Europe au XVIe et au XVIIe siècle. Oh, mais les marchands n'allaient pas eux-mêmes saigner à mort et crever sur les champs de bataille. Ils avaient mieux à faire. Ça va vraiment mal. Tu as dû en entendre parler. Il va falloir que nous allions nous battre nous-mêmes. Ça n'est pas une bonne idée. Nous avons besoin de meilleures armes, mais si seulement pour notre argent... Nous pouvions obtenir plus. Et mieux? Oui. J'ai une idée. Et les marchands lancent les savants dans la bataille, leur demandant d'inventer pour eux des armes nouvelles et meilleures. Les seigneurs, le roi a besoin de beaucoup, beaucoup d'armes. Et eux, les marchands, pendant qu'ils y sont, ils se mettent à vendre aussi des armes aux seigneurs. Et où les prennent-ils, ces armes? Ils les achètent des artisans dans les villes et villages. Vite, fais-moi 10 canons, vite! Oh, non, pas encore! D'abord, j'ai besoin de fer. Et puis, je dois le fondre. Et il faut le couler dans les boules. Et ensuite, je dois les polir, les canons. Ça ne se fait pas dans une seule journée, tout ça. Faire 10 canons, ça prend du temps. Ouais, celui-là, il est aussi lent que tous les autres. Quand on pense que ça pourrait aller tellement plus vite. Ah, tiens. J'ai une idée. 1 minute, mon ami. Tu vois ce sac plein d'or? Je te l'échange contre ton atelier. Oui, mais... Je ne vois pas comment vous pourriez fabriquer des canons. Pas moi, non, mais toi, tu peux rester et continuer à travailler, si ça te tente. Et je vais bien te payer pour le travail que tu vas faire. C'est vraiment une belle somme d'argent. Bon, d'accord, c'est entendu. Rappelle-toi bien, c'est moi qui dirige. On va commencer par engager 6 hommes. Mais voyons... Laisse-moi faire, je m'occupe de tout. Ainsi, le marchand engage de pauvres paysans pour travailler à l'atelier et il leur paie un salaire de presque rien.
On travaille, tas de paresseux. Je veux que mon capital le rapporte. Les marchands achètent du fer. Deux ouvriers l'amènent. Un homme surveille le fourneau. L'un fond le métal. L'autre moule les canons. L'un les polit. L'autre les assemble. Chaque homme est spécialisé dans son secteur. Et chaque chose est faite beaucoup plus rapidement. En fait, jusqu'à maintenant, le marchand ne pouvait pas vraiment être appelé capitaliste. Mais maintenant, oui, il possède les moyens de production. Tous les travailleurs de l'armurerie travaillent pour lui. Maintenant, j'ai plein d'armes à vendre. Ah, ça va faire de belles affaires. Ah, maintenant que je possède l'atelier, tous les bénéfices, ils vont venir à qui? Ils vont venir à moi. Mon capital, il augmente à vue d'œil. La guerre, elle fait des miracles pour mes affaires. Mais pas pour les seigneurs. Ils engloutissent toute leur fortune dans la guerre. Être une guerre entre nous et les marchands. Mais où ils sont, les marchands? Je n'en vois pas un seul. Eh, leur sang n'est pourtant pas bleu, mais rouge comme le nôtre. Nous sommes des mercenaires. Ils nous payent pour vous combattre. Les marchands font fortune en nous vendant des armes. Et l'argent qu'ils récoltent, ils le donnent à notre ennemi principal, le roi. Nous creusons nos propres tombes. La guerre, le commerce et les ateliers rendent les marchands puissants et affaiblissent les seigneurs. C'est le commencement de la fin pour les seigneurs. Les marchands ont gagné le premier rang. À bas les anciennes lois des seigneurs. Place aux lois qui nous conviennent à nous et au roi. Nous y veillerons. Nous avons déjà engagé des juges et des avocats qui sont en train d'écrire des lois nouvelles pour le pays tout entier. Tous les petits pays n'en forment désormais plus qu'un seul, et le roi seul a pouvoir de décision sur quiconque, y compris les seigneurs. Le commerce doit être libre, les seigneurs ne peuvent pas avoir d'armée personnelle. De la même manière, ils ne peuvent pas imposer de taxes aux marchands. Mais les paysans, eux, doivent toujours payer des impôts aux seigneurs. Et ceux qui n'obéiront pas aux nouvelles lois auront affaire à la milice et aux soldats du roi. Et maintenant, tout le pouvoir royal est en place. Le roi et ses soldats et ses juges et ses avocats. Et ce système de pouvoir, on l'appelle l'État. Les petits duchés et royaumes, qui autrefois étaient éparpillés à travers l'Europe, laissent maintenant la place, au début du XVIe siècle, à des États plus grands et plus royaux. Et les frontières sont déplacées et redessinées. Maintenant, les marchands peuvent commercer en toute liberté. Gloire à Dieu! Et qu'il protège l'État longtemps! Et maintenant, nous aurons les armées de l'État pour nous aider à faire de bonnes affaires en Asie et en Amérique. D'abord, ceux qui possédaient la terre détenaient le pouvoir. Maintenant, tout a changé. Les marchands se sont emparés du pouvoir, mais pour nous, ça ne change rien. Nous, les paysans et les artisans, nous n'avons gagné qu'une chose, une nouvelle classe à supporter. Les Espagnols et les Portugais deviennent riches grâce au commerce dans l'océan Indien et les territoires conquis en Amérique. Mais dans le reste de l'Europe, des capitalistes avides préparent de nouveaux plans. Si ce n'est pas ce bon vieux John Atkins. Assieds-toi. Hmm,
Alors c'est ça le café. Je n'ai jamais rien goûté d'aussi bon. Et ce n'est pas un café ordinaire, c'est du café portugais. Et ne va pas t'imaginer que les Portugais se sont contentés d'en faire le commerce. Ils sont bien plus futés que tu penses. Ils ont commencé à le cultiver eux-mêmes et à leur compte en Amérique. Ah ah. Mais ça sera drôlement meilleur marché comme ça pour eux. Ils doivent s'en faire drôlement des profits. Les Portugais, j'aimerais bien être à leur place. Oh, attention, il ne faut pas les envier. Bien sûr, ils ont gagné de l'argent, mais nous aussi, nous pouvons en faire autant. Ils ont un problème, les indigènes. Ils les font travailler jusqu'à la mort dans leurs plantations. Oh! Et maintenant, ils sont prêts à payer n'importe quel prix pour avoir des esclaves. Et je sais où je peux en trouver. Et voici John Hawkins, qui allait contribuer à la ruine de l'Afrique. Donnez-moi 3 bateaux. Chargez-les de gars costauds et de babioles à échanger, et je vous parie ma tête que votre investissement va vous rapporter un très beau profit. De tissu contre un esclave, d'accord? Chargez les bateaux tant que vous pourrez, mes amis, avec de beaux esclaves bien ligotés. C'est bien simple, hein? Vous voyez ce village? Combien d'esclaves peut-on y trouver? Très bien, nous en avons 300 maintenant. Déguerpissons de cette horrible côte. C'est un bateau d'esclave. À l'abordage, nous allons faire une belle affaire. Beaucoup sont morts en route. Je crois que nous en avons trop mis par bateau. Vaut mieux trop que trop peu. J'ai hâte de me débarrasser de ce chargement puant. Et tu sais ce qu'on va acheter avec l'argent? Des pots, du gingembre et du sucre. Et même, je ne serais pas surpris que nous puissions nous payer quelques nouveaux bateaux. Et c'est ce qu'ils firent. Les propriétaires de plantations payent les esclaves un bon prix. À son retour à Londres, John vend sa cargaison. Les hommes d'affaires sont enchantés des profits qu'il leur fait réaliser. Lui-même, il devient riche. Sa Majesté la Reine Elisabeth, le sacre chevalier. Sir John Hawkins. Le commerce des vies humaines prend de l'ampleur. Des bateaux d'esclaves de l'Angleterre, de la France, du Danemark, de la Hollande, de l'Espagne, du Portugal descendent la côte ouest de l'Afrique. On engage même des chasseurs d'esclaves noirs. Et la chasse aux esclaves s'étend jusqu'au très puissant royaume du Congo. Au revoir, Afonso. Les chasseurs d'esclaves ont pris mes enfants pendant qu'ils étaient en train de jouer. Ils ont pris tous les hommes dans les champs ce matin.
Moi seul ai pu m'enfuir. Il n'y a plus personne dans mon village. Aidez-nous, puissant roi. Je vais voir ce que je peux faire. Il faut que je mette la main sur les chefs et les marchands de la côte. Interdit de donner des esclaves aux bateaux européens. Les temps ont changé, roi. Le commerce avec les blancs rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez comme nous sommes riches. De l'or, de l'argent, de la soie. Et maintenant, nous avons ces fusils d'Europe qui nous rendent encore plus puissants. Les profits tirés de la vente d'esclaves sont utilisés différemment en Europe et en Afrique. Les marchands africains dépensent tous leurs profits pour leur plaisir. Les marchands européens, pour leur part, investissent leur capital dans la production et deviennent ainsi de plus en plus riches. Si seulement je pouvais amener le roi du Portugal à comprendre comme c'est terrible ce qui est en train de se passer ici. Cher Manuel, malgré que nous l'ayons interdit, vos marchands continuent de répandre des armes dans notre pays. Beaucoup de marchands ne nous obéissent plus, puisqu'ils ont plus d'armes que nous. Jour après jour, vos marchands capturent notre peuple, nos fils et nos filles. Ils le font avec une telle avidité que la population de notre pays diminue rapidement. Nous vous supplions, mon cher frère, de nous aider en cette affaire, en interdisant désormais à vos marchands de venir ici vendre des armes. C'est notre volonté qu'aucun commerce d'esclaves ne se fasse plus dans ce pays qui est le nôtre. Salutations distinguées, Afonso. Cher Afonso, je comprends votre souci. Mais que voulez-vous, on ne peut pas se battre contre le progrès. Et après tout, n'est-ce pas, pourquoi tourner le dos au commerce, notre père à tous? D'ailleurs, j'ai moi-même quelques dettes avec les marchands. Et en fait, je n'ai aucun pouvoir pour les arrêter. Mes hommages les plus respectueux, Manuel. Comment pouvons-nous arrêter les marchands d'esclaves avec nos flèches et nos lances? Impossible. Il nous faut des fusils. Et nous ne pouvons les trouver qu'en Europe. Prends ce tissu et cet ivoire et va à la côte l'échanger contre des fusils. Combien de fusils me donnez-vous pour ça? Pas un. Les fusils, on ne les échange que contre des esclaves. Comment faire pour nous sauver des marchands d'esclaves si pour nous défendre d'eux, il nous faut des fusils et que pour avoir des fusils, il nous faut nous vendre nous-mêmes comme esclaves? Il nous faut des balles et des fusils pour protéger nos fils et nos filles qui vivent dans la terreur, la peur et la misère. Je tourne le dos et mon enfant n'est plus là. Les blancs l'ont pris, nous vivons dans la peur. Les jours sont sanglants et les nuits sont si noires. La loi maintenant dans la jungle, c'est de vendre des esclaves ou d'être vendu soi-même. Les années passent. Personne n'écoute plus le roi Afonso. Il n'a rien pu faire pour arrêter le commerce des esclaves. C'était trop payant. Et puis il meurt et son puissant royaume tombe en morceaux. Tout au long de la côte ouest de l'Afrique s'installent de nouveaux ports de commerce qui ne vivent que du marché des esclaves, comme des sangsues suçant le sang de l'Afrique. Les marchands de l'Angleterre, la Hollande, la France, l'Espagne, le Portugal, le Danemark demandent toujours de plus en plus d'esclaves. 100 millions de personnes sont directement touchées par ce commerce d'esclaves. La terreur s'installe en Afrique. Les Noirs commencent à vendre eux-mêmes des gens des tribus voisines. La méfiance règne. Personne n'ose plus cultiver les champs. Ce serait extrêmement nécessaire, mais c'est trop dangereux. Car le danger rôde dans les champs. À tout moment, il faut se tenir prêt à s'enfuir. On ne fabrique plus non plus de tissus. On en obtient d'Europe un meilleur marché. Ce commerce florissant donne à l'Europe de plus en plus de prospérité, tandis qu'à l'Afrique, il apporte la syphilis, l'alcoolisme, la violence et le christianisme.
Y a quelqu'un? Oh! Mais qui es-tu? Sita! Bonjour, tu ne me reconnais pas? Tu ressembles au fils de Mbézi. Mais lui et son père ont été enlevés il y a longtemps par les marchands d'esclaves. Mais c'est bien moi, Assailli. Je m'en suis tiré et maintenant je reviens à la maison. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-bas? C'est vrai que les blancs mangent les noirs? Non, mais ça revient au même. Ici, c'est pareil. Regarde, il ne reste plus que des vieux comme nous. Les marchands d'esclaves ont pris tous les jeunes, tous ceux qui étaient forts. Il n'y a plus que nous ici, des vieux sur le point de mourir. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait après vous avoir attrapé? Eh bien, d'abord, ils nous ont amenés à la côte et nous ont embarqués sur des bateaux. Ils en mettaient tant qu'ils pouvaient. Ils nous enchaînaient deux par deux, le pied gauche de l'un au pied droit de l'autre. Et pour les mains, c'était pareil. Et nous sommes restés comme ça pendant 4 mois. Et puis, ils nous ont débarqués sur une île qu'ils appellent Jamaïque. Et nous ont vendus sur un marché dans le port. Là, un blanc nous a tous achetés. Un Portugais qui avait une plantation de sucre au Brésil. Du matin jusqu'au soir, il nous faisait travailler. Et des gardiens blancs nous surveillaient sans cesse et nous fouettaient pour que nous travaillions toujours plus. Mais vous ne pouviez pas vous sauver? Oui, mais s'ils nous rattrapaient, ils nous mettaient des anneaux de fer avec des pointes à l'intérieur. Au cou et aux chevilles. Et si quelqu'un volait quoi que ce soit, même un morceau de pain, alors il était pendu. Le prêtre blanc disait qu'on allait tous aller en enfer si on ne travaillait pas. Mais l'enfer n'aurait pas pu être pire que ce qu'on vivait là. Mais il s'appelle comment ce pays qui se nourrit de notre peuple? L'Amérique. Attendez, un jour les esclaves vont briser leurs chaînes. Ceux qui possédaient des esclaves et leurs gardiens avaient toujours peur de nous. Ils avaient peur pour leur vie. La nuit...